de l'huile d'olive. Wesh les gars, c'est comment? Bande de bâtards, on est que deux. Vous avez pas reçu la notif ou quoi? On dirait y'a personne, ça fait 5 minutes j'ai là. Ouais, merci pour la support, mais t'as reçu la notif frérot? Là, j'avoue, je sais pas y'a quoi. Je crois y'a un bug de Twitch hein. C'est ça. M'intéresse plus. Vas-y toi, je vais te ban toi. Eh, je m'en bats les couilles, je suis youtubeur moi. De toute façon, ma dernière vidéo, elle a dû cartonner, je m'en branle. Cette vue. Pourquoi cette vue? Wesh. Bonjour. La messagerie de Monta. Veuillez laisser un message après le bip. Casse les couilles, putain. Mais non, je déconne. Oh, salaud! Tu vas bien? Et toi, comment tu vas? Ça va pas fort là, je t'avoue. T'aurais pas un petit plan pour moi pour me faire entrer sur le chantier là? Au chantier? Bah bonsoir, oui. En plus, le chef, c'est un bon de ouf. Par contre, réveille-toi, hein. Le chantier demain, c'est 6h. Joue pas au con. 6h? Bonsoir chantier. Bonsoir, pas le choix. Comment il va? Un peu mal au dos et toi? Un peu mal aux couilles. Ah, qu'est-ce qu'il a branlé? Bon, pas mature en tout cas. Ah, t'es con. Oh, je vais le con, chef. Salut chef. Bien dormi chef. Mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous avez vu l'heure? C'est à cette heure-ci qu'on arrive sur un chantier, vous prenez pour qui? Et toi, qu'est-ce que tu prends dans claquette? On est sur un chantier ici. À quoi tu joues? Désolé chef, c'est bison futé et t'es rouge ce matin. Mais bison futé de quoi là? Continuez à vous foutre de ma gueule et je vais vous niquer moi. Vous êtes des ouf. Tchao. Prends les plans et va bosser. Et toi là, vas-y, mais qu'est-ce que tu prends là? Va bosser là. Il m'a surpris, j'étais comme. Ah, mais toi, tu l'as vu, ah oui, tu l'as vu ça? Et je regarde, je fais attends, il y a quelque chose, et t'as continué. La nana, elle m'envoie un message, y'a personne chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je démarre en troisième, j'arrive devant chez elle, normal, je suis excité. Puis là, la nana, elle répond plus. Snapchat répond plus, Facebook, elle répond plus. Et la nana, elle était comment? Ah, bah la nana, je pense que tu l'aurais vu, t'aurais fait un sacré débat par elle. Hein. Vas-y, qu'est-ce que je fous là? Vas-y, va bosser là, on s'en branle ta nana là. Eh, hey, tu sais quoi, en vrai, prends tes affaires, casse-toi, je veux plus te voir. Eh, hey, ici, c'est le chantier, retourne parler de tes footballeurs de merde là et casse-toi, on veut pas de toi ici. Des footballeurs. Tu les chèvres, comment je vais faire pour payer mon loyer moi maintenant? Ah bonjour Pierre Foot. Bonsoir. Vous tombez super bien parce que j'ai une super maison à vendre pour vous. Non, mais vous avez mal compris, je viens vendre ma maison. Déjà? Mais vous sortez pas de chez le notaire il y a 10 minutes? Bon, si c'est pour entendre des blagues à la con, je vais voir Stéphane Pizza. Mais qu'est-ce qui va pas? Il y a un problème avec la maison? Non, c'est pas ma maison le problème, c'est mon travail. Et c'est quoi exactement votre travail? Je fais des vidéos sur internet. Ah, youtubeur! Ah d'accord. T'as entendu? Bon, vous pouvez faire quelque chose pour moi ou je vais chez M6? Ah non, on va pouvoir la vendre, mais jamais au prix où vous l'avez acheté. Hein. Je peux en tirer combien? Autour de 100... 100 000? Je l'ai acheté deux fois plus! 100 000 de quoi? Ah non, 100 euros! Vous savez, monsieur le foot, avec la conjoncture et le Covid, les gens ils ont plus de pouvoir d'achat. Hein. Le nouveau truc à la mode, c'est les bidonvilles. Hein. Moi, si ça tenait qu'à moi, je vivrais dans un camping-car, hein, vous savez. C'est fait. Vous avez vu? Je vous l'ai vendu direct. Et en plus, je vous l'ai vendu 150 euros. Comment ça, 150 euros? J'ai rien signé moi! Vendu, c'est vendu, hein! Allez! Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Wesh. Oh, wesh, wesh, wesh. Toi et moi ce soir, on va s'en moyer. Non. Péfite, on fait un FIFA? Comment t'as eu mon adresse toi? Rentre chez toi! Vas-y, vas-y, casse-toi! Ouais, j'ai quoi, il est facteur? Il m'a donné ça là, devant. Ouais, je sais pas, c'est quoi cette merde encore? Ouais, je sais pas, frère! Un facteur, il me donne ça, je crois que c'était d'accord, mais je suis pas sûr! Il vient, il bombarde, il encule tout! Et son camion là, c'est même pas un camion de la poste! Tiens, lis ça, faut qu'on parle. C'est la date ça?
Non, non, c'est ce que je dois, ça. À l'année? Non, non, ce mois-ci. Mais c'est ce que tu gagnes, c'est ce que tu payes. C'est ce que je paye tous les mois. Mais ça fait combien, hein? 60%. 30% d'impôts, je t'aurais dit, bon. 40%, Bellec, pourquoi pas. 60%, doucement. Faut que je fasse quelque chose, là, ça peut plus durer comme ça. Moi, ça se trouve, dans 2 ans, je coule comme Zod, hein. De toute façon, c'est mon daron qui l'a toujours dit, hein. YouTube, c'est pas un métier. En plus, j'ai fait un cauchemar cette nuit-là. C'est jusqu'à quel âge qu'on peut faire un CAP? Qu'est-ce que tu me parles de CAP? Tiens, sérieux ou quoi? Pourquoi tu prends l'accent marseillais, toi? Je sais pas. Et le petit, comment il a trouvé mon adresse? Faire cambrioler comme Valouze, moi. Chaud. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo de moi, et genre, je le connaissais absolument pas, et il est venu me clasher. Donc, chut, je m'adresse personnellement à toi. Tu vois, il y a quelques années, t'as fait le mec à faire de la méchanceté gratuite, et ben regarde, à l'heure d'aujourd'hui, je gagne bien plus que toi, petit youtubeur de seconde zone. Mais elle a raison. Cette salope. Je suis qu'un youtubeur de seconde zone, je suis finito. Mais non. Mais si, Mourad, ma vie c'est de la merde. Mon frigo il est vide, ma meuf elle m'a quitté. On est en août, dans ce pays il fait 15 degrés, et ça là. Ah bah la France, tu l'aimes ou tu la quittes, hein. Mais moi je l'aime la France, c'est elle qui m'aime pas, elle me saigne. Et si Mélenchon il passe en 2022 Je crois que je vais me barrer. Quoi? Tu veux te barrer à Malte comme tous ces enculés streamers casino? De toute façon Malte ça pue sa mère, hein. Moi je te le dis direct. Tu pourras pas baisser les impôts, hein. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. D'ailleurs j'ai fait mon premier million. Mais j'te jure pas payer les impositions. T'en as marre de te geler les couilles en France et de devoir te faire vacciner tous les 2 mois pour aller au resto? Devoir aller sur des ronds-points tous les samedis pour faire chuter le prix de l'essence? 1,99, faut pas exagérer. 2 balles le litre, c'est un truc de fou. Si vous ramenez ça au prix du franc, ça fait 13 francs. Putain. Viens à Dubaï. Luxe, démesure, soleil, exonération. Le Manhattan du Moyen-Orient n'attend plus que vous. Bah voilà. Fais comme ces enculés d'influenceurs. Influenceurs de quoi? Je fais pas de placement de produits sur Snap pour me faire agrandir le chiffre, moi. En vrai, le soleil, pas d'impôts. Parle-moi fort, s'il te plaît. Maïva Guénam. Maïva Guénam? Elle habite là-bas? Bah oui, envoie-toi. Je sais pas, faut que je réfléchisse, gros. Bim, tu touches du lourd aussi parce que t'as envoyé les crédits en vivacité. En mode entrée, le dit Maria. Non, je tenais à vous remercier parce que voilà. Après l'iPhone 6S, la Twingo, mon pote. On se retrouve avec la clique. Oui. Johan. J'ai oublié son nom. Faïz et Idriss. C'est ça. Toi, tu penses ça va faire combien de dislikes? Je sais qu'il y aura des gens, ils vont pas comprendre. Wouh! T'es en train de te dire, mais y a rien qui change, il a toujours la même gueule. T'es sûr? Salut tout le monde, c'est Paoletta et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo, ma toute première vidéo sur YouTube. Salut tout le monde, c'est Paoletta, on se... Wow! Cocktail. Sous les cocktails.
Faut appeler, hein. Faut appeler ? Faut appeler quelqu'un. Faut appeler Brahma qui va te ramener un cocktail. Soit, c'est pour visiter l'appartement. Rentrez, rentrez, mais par contre vous m'enlevez vos pompes, hein. Vous allez tout me dégueulasser vous.
Bienvenue les amis, bienvenue dans mon nouveau havre de paix. Bienvenue dans dans mon appartement, mais c'est plus une maison, hein, parce que vous voyez les dimensions du truc. Je saurais même pas vous dire combien ça mesure, peut-être même pas envie de mesurer, parce que sinon ça me prendrait trop de temps. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, j'espère déjà que vous avez apprécié le court-métrage, j'espère que on va monter sur les marches de Cannes, parce que c'était quand même une performance, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, je voulais vous présenter quand même le cadre, voilà, le cadre de vie que je vais avoir pendant au moins une année, puisque, bon, Péfut, combien ça coûte un appart comme ça? Parce que je peux vous dire que Stéphane Plaza, il va pas vous en faire visiter des comme ça. On commence par le canapé, à gauche des canapés, à droite des canapés, tout droit la porte d'entrée. Ce que j'aime bien dans ce canapé, c'est qu'il a c'est les sables mouvants. Mais c'est un peu un défaut aussi, parce que si vous vous asseyez dessus, vous dormez pendant 15 heures. Et vous savez que j'ai un penchant pour le sommeil assez important. Ouais, donc Péfut, combien ça coûte un appartement comme ça? J'aimerais pouvoir vous dire le prix exact de cet appartement. Malheureusement, je ne suis pas propriétaire. Et il faudrait demander au propriétaire qui habite juste au-dessus. Là, vous pensez que l'appartement, il est stylé. Je peux vous dire que j'ai été voir la propriété autrefois pour signer des papiers. Cet appart pue la merde, je vous le dis. Je suis rentré dans son appartement, j'ai pris une gifle. Donc, voilà, les propriétaires qui m'ont loué cet appartement. Alors, il faut savoir à Dubaï que c'est à l'année, en fait. Vous payez un an de loyer direct. Je peux vous dire que... Ah, je t'aurais dit, là, financièrement, je suis un peu dans le jus. Qu'est-ce qui est très important, surtout dans la vie de Péfut? C'est le frigo. Et vous savez que si le frigo est vide... En fait, c'est pas qu'il est vide. Problème de ce frigo, c'est qu'il savait pas qu'il y avait que des Red Bull dedans. Voilà, vous pouvez changer de pays, vous pouvez changer de planète. Si vous appelez Péfut, tu auras toujours des packs de 4 de Red Bull. Ça veut dire que ça va bien, mais ça veut dire que voilà, tu peux habiter à Dubaï et c'est quand même la crise, parce que ça mange des Red Bull, quoi. Ça mange des boissons énergisantes à longueur de journée. Donc voilà, le salon est incroyable, on va pas se mentir. Peut-être un peu trop grand pour ma petite personne, mais c'est beau. Là, trophée YouTube, chaîne replay. Pas mal, je trouve beau, c'est les nouveaux modèles, je sais pas si je vous les avais déjà présentés. Ici, raquette de tennis. Alors, c'est un appel au match que je donne s'il y a des Français qui habitent à Dubaï et qui veulent prendre leur part. Depuis que je suis là, j'ai pas joué et j'attends que ça. La télé, elle est belle quand même, c'est beau. Je sais pas si on a filmé la télé. Petit plan sur les Japonais à la Coupe du Monde. 2010 je crois, 2010 ou 2014? Bonne question. Quelles sont les raisons pourquoi j'ai quitté ma France natale? Pourquoi j'ai quitté mon pays? Pourquoi j'ai déménagé? Pourquoi je suis parti à l'étranger, à l'autre bout du monde? Alors il y a beaucoup de raisons. Vous l'avez peut-être deviné si vous êtes lucide et que vous avez bien suivi le court-métrage. Quand je jette le caillou à la fin du générique, vous avez vu un petit logo Coupe du Monde 2022, tout simplement. Oui les gars, on sera et je serai à la Coupe du Monde 2022 pour vous faire vivre cet événement. Ça va être la première fois que je vis une Coupe du Monde, ce sera avec vous. Je vais rester au Qatar pendant un mois et demi pendant toute la compétition. Vous savez que Dubaï Qatar, c'est voilà, c'est l'équivalent de 7-7 Paris, c'est à peu près à la même distance. Donc j'y serai, bien évidemment, ça vous proposera du contenu incroyable pour le tour du monde des stades, et également sur Twitch, il y aura des lives tous les jours. Bref, c'est incroyable. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet appartement, c'est la vue. Je vous emmène directement sur mon petit balcon. On est au 41e, je sais pas si je vous l'ai dit, 41e étage à Dubaï Marina, voilà, tout simplement. Je peux vous dire où j'habite, puisqu'à Dubaï, je risque certainement pas de me faire cambrioler. Donc si vous avez envie de me cambrioler, venez essayer. Mais la vue est incroyable. Franchement, tous les matins, je prends des gifles quand je me lève. Enfin, tous les matins, quand je me lève à 14h. Donc à 14h, je prends des gifles. Et le soir aussi, c'est sympa. Alors, il y a des gens qui préfèrent Dubaï la nuit. Il y en a d'autres qui préfèrent le jour. Moi, j'aime bien la nuit, mais je préfère le jour. Parce que moi, ce que j'aime énormément à Dubaï, c'est le climat. Voilà, il fait beau tous les jours. Moi, je pense à mon père qui, tous les jours, avant d'aller au travail, regarde la météo tous les soirs pour savoir si demain, il met un manteau. Ici, les amis, il n'y a pas besoin. Ça fait 2 mois que je suis en t-shirt du Paris Saint-Germain. Faudrait que je me lave d'ailleurs, parce que 2 mois avec le même t-shirt, c'est effrayant. Il y avait une cible, hein, je sais pas si vous l'avez vu. Mais vu la cible, ça a tiré au 9 mm très très récemment. Franchement, je suis un bon tireur quand même. Hein. Je suis un bon tireur. C'est quoi cette ville de fou? C'est quoi ce pays de malade? Je vous fais visiter directement l'appartement. Là-bas, il y a des toilettes. C'est pas très intéressant parce que j'ai peur qu'il y ait des traces de pneus dans les toilettes. Donc je vais pas vous les faire visiter. Ici, petite salle de bain. Petite salle de bain, on va pas y rester très longtemps parce qu'il y a de l'écho bizarre, mais en tout cas elle est très très belle la salle de bain. Le setup, voilà, mon nouveau bureau, il est ici. Alors,
ne vous attardez pas sur le setup, il est encore bancal, il n'y a rien qui est prêt, mais par contre vous pouvez filmer et vous pouvez regarder cette machine de guerre qui a été montée par Adib et Mourad. Voilà, nos rebeux ont du talent, je peux vous dire que ça c'est une machine de guerre et il va me permettre de vous proposer énormément de bonnes vidéos cette année et surtout des live Twitch assez incroyables. Mon caméraman vient de se prendre la porte en pleine gueule. Ici il y a une porte que on n'ouvrira pas parce que vous savez, on n'ouvrira pas celle-là. Vous êtes en train de vous dire, mais putain, je suis en train de niquer le plan parce que c'est ça la pièce de cet appartement. Vous êtes en train de vous dire, mais putain, l'appartement il est propre, il est bien rangé. Et c'est pas pour votre gueule, hein. C'est uniquement pour ma mère, voilà, parce que je sais que maman va regarder la vidéo. Et si là ma mère elle est comme ça, ouais, en vrai, faut filmer la vue, faut fermer sa gueule dans ces moments-là. Voilà la vue de la chambre. Franchement, limite, j'ai honte d'avoir une vue comme ça de ma chambre. C'est pas moi qui mérite d'avoir une vue comme ça, c'est ma mère, c'est pas. C'est un truc d'ordure. Tous les matins, tu te réveilles, t'as une vue comme ça. Vue mère là-bas. Bon, les amis, désolé, hein, la mère aurait pu être là, mais il fallait rajouter 30 000 euros, donc j'ai préféré. Mais c'est bien les buildings aussi. Donc voilà, très très belle chambre. Franchement, on s'y sent bien, on y dort très très bien. Voilà, jamais aussi bien dormi que depuis que je dors dans cette chambre. Vous êtes en train de vous dire, putain, la partie elle est lourde et tout. Ma mère, elle est en train de regarder, putain, mais c'est le bordel à gauche, à droite. Non, maman, tu ne verras pas où c'est le bordel, puisque j'ai tout rangé dans cette pièce. Et voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas, ça fait combien de mètres carrés ici? Ça doit faire, je crois que ça fait plus de 100, ça fait peut-être 130 mètres carrés. C'est beau, c'est beau. J'espère un jour pouvoir me l'acheter vraiment, parce que je peux vous dire que cet appartement il vaut plus de 2 millions d'euros. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Non, plus sérieusement, voilà, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter la France? Les impôts! C'est faux, c'est faux. Tout simplement, je suis arrivé dans un stade de ma vie, comme vous l'avez vu dans le générique, ça fait déjà 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube. On dirait pas, parce que tout le temps les gens ils me disent oui, sors des vidéos, sors des vidéos. Mais moi ça fait 9 ans que je sors des vidéos, vous vous rendez compte de ce que c'est? Et je vais pas vous mentir, alors. C'est un peu bizarre de vous dire ça parce que en vrai vous le savez pas, vous êtes pas au courant, mais moi je suis quelqu'un, depuis que j'ai commencé YouTube, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même. Ça veut dire que ça fait des années que je fais la même chose. Je suis chez moi, je suis renfermé chez moi, le même cadre tout le temps. Je vois pas grand monde parce que je suis très très casanier. Après c'est pas un défaut, hein, c'est ma façon de vivre. Mais je vais pas vous mentir que depuis 1 an, 2 ans je commence un peu à saturer et j'avais besoin de voir autre chose et de tester quelque chose d'autre. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de vivre quelque chose d'autre, notamment dans un autre pays. À la base c'est pas Dubaï, je vais pas vous mentir, moi à la base c'est surtout les États-Unis. Je m'en suis aperçu quand je suis parti en vacances là-bas. Et tous les voyages que j'ai fait, en vrai, même quand je fais le tour du monde des stades et tout, je me rends compte en fait que la vie c'est les voyages. Et la vie c'est découvrir d'autres choses, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres personnes aussi, d'autres langues. Et j'espère également que ça va me permettre de commencer à parler anglais parce que mon anglais est désastreux. Mais voilà, j'avais besoin de changement. Et aujourd'hui, grâce à vous, hein, on va pas se mentir, grâce à vous et grâce à ma mère qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours au quotidien. Et c'est aussi ça, c'est aussi une raison pour laquelle je suis parti. Non pas que ma mère me saoule, mais on va dire que ma mère est toujours là pour moi et c'est limite, je suis un assisté. Et le délire, c'est que moi, à un moment donné, j'ai 25 ans. Je me dis, ça y est, à un moment donné, il faut grandir, il faut prendre son envol. Et je me dis que sortir de cette zone de confort là, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas non plus facile de quitter son pays du jour au lendemain. Moi, ça fait 25 ans que j'habite au même endroit, donc quitter tout ça du jour au lendemain, c'est difficile aussi. Je vais pas vous mentir qu'il y a des petits moments, j'ai des petits coups de mou. Ça fait déjà 2 mois et demi que je suis sur Dubaï. Pourquoi je vous ai pas proposé ce contenu avant? Parce qu'il a fallu du temps avant de le faire. Et j'espère que le résultat, en tout cas, vous aura plu, vous aura au moins fait rire. Et voilà, non, c'est pas facile tous les jours. Je vous avoue que je me vois pas vivre à l'étranger, ni dans cette ville, ni ailleurs pendant très très longtemps, parce que je pense que le plus important aussi dans la vie, c'est d'être accompagné de ses proches, de sa famille, de ses potos. Et c'est vrai que quand tu restes trop longtemps à l'étranger et que t'as plus ça, je pense qu'il te manque quelque chose. Pour en revenir aux inconvénients et aux avantages de Dubaï, je vais pas vous mentir qu'il y a vraiment plus d'avantages que d'inconvénients. D'ailleurs, pour moi, le seul inconvénient ici, depuis que je suis là, que j'ai relevé, peut-être que j'en relèverai d'autres au fil des mois, c'est, y a pas d'inconvénient. Je vis dans GTA 6. D'ailleurs, vous demandez quand est-ce qu'il sort GTA 6, il sortira pas tout de suite. C'est moi qui joue à GTA 6 en ce moment. Cette ville, c'est n'importe quoi. Il fait beau, la sécurité, j'en avais entendu parler comme quoi c'était une ville super sécure et tout, mais je pensais pas à ce point. Je vous dis la vérité, je me suis jamais autant senti en sécurité que depuis que j'habite ici. Et que franchement, la dernière fois que j'ai été autant en sécurité, c'était dans le ventre de ma daronne, hein, je vais pas vous mentir. Pour vous donner un exemple, c'est ce que tout le monde vous dira si vous venez ici même en vacances, c'est voilà, vous allez à la plage, tous les jours je vais à la plage, je pose mon iPhone, je pose mon portefeuille sur le sable, je pars dans l'eau, je pars nager 40 minutes, je reviens,
J'ai même pas la crainte de me dire mon téléphone sera plus là. Non, le téléphone est là. Pourquoi? Parce que si le téléphone n'est plus là, celui qui l'a volé, il finira dans un sale état. Bref, voilà, non, la sécurité. Certains vous diront les impôts. Alors, les impôts, oui, c'est vrai que c'est très intéressant. Il n'y a pas d'impôts à Dubaï. Maintenant, moi, ça me concerne pas pour la simple et bonne raison que moi, j'ai gardé ma société en France. J'ai des employés en France et pour l'instant, en tout cas, je ne compte pas rester plus d'un an ici. Je reste un an avec le bien que j'ai loué là, à l'année. Celui-là, je vais rester un an et après, ça rentre en France. Même si l'objectif, c'est d'essayer d'acheter un truc ici en résidence secondaire pour pouvoir venir l'hiver. Voilà, c'est un des objectifs de Dubaï 2021, de bien bosser sur YouTube, de bien bosser sur Twitch pour faire rentrer l'argent et acheter un truc ici parce que franchement, le climat, c'est trop. J'ai créé un Snapchat. Voilà, ça fait très longtemps. Je me rappelle, j'avais 14 ans la dernière fois que j'avais un Snapchat. C'était pas au l'état Fuji. J'en ai créé un nouveau parce que je pense qu'à Dubaï, je vais pouvoir vous proposer vraiment des snaps marrants. Qu'en France, c'est compliqué. Voilà, il y a moins de choses à faire. Je sors moins en France, etc. Mais là, il y a du gros contenu qui va arriver. Donc ajoutez-moi, le snap est juste en dessous. Je suis en live 24h en ce moment sur Twitch. Là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, dès qu'elle est sortie sur YouTube, je suis en live 24h. Il y a d'ailleurs tous les objectifs que j'ai à accomplir à Dubaï qui étaient écrits sur le tableau. Je sais pas si vous avez fait attention, mais qui seront détaillés dans ce live Twitch. Donc passez si vous pouvez, c'est intéressant. Et il y a également un voyage à Dubaï à gagner sur Twitter. À l'heure où je vous parle, donc dépêchez-vous, ça va pas durer très longtemps. Il faut bien que vous veniez me voir un peu quand même. Je vais pas rester là solo pendant un an non plus. C'est très très bizarre cette phrase. C'est la dernière fois que quelqu'un a ramené des gens qu'il aimait bien chez lui. C'était Michael Jackson. Peut-être pas une bonne idée de ramener des gens qui t'aiment bien comme ça chez toi. Bref, voilà, c'était votre pote Paul Eta. J'espère que vous avez kiffé le petit court-métrage. Et nous, on a kiffé tourner ça. Et franchement, ça nous a donné une inspiration de fou. Et surtout, ça nous a donné envie de faire des films. Parce qu'on a dit, voilà, le film le plus vu en France, le plus apprécié en France, c'est Bienvenue chez Ch'ti. Mais on peut faire beaucoup mieux. Franchement, j'ai envie de devenir réalisateur. J'ai envie de devenir acteur, je sais pas. J'avoue que l'acting, il est un peu bancal. Mais réalisateur, ça pourrait être très, très intéressant. Dites-nous, en pétant cette barre de like, si le court-métrage vous a plu. C'est très, très important. Je sais que c'est rien pour vous un like. Mais nous, ça nous permettra de nous rendre compte si c'est la bonne chose à faire. Ou si on doit abandonner ce projet de faire des courts-métrages un peu comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ou pas, je regarde juste mes notes rapidement. Ah non, il y a un autre inconvénient à habiter à Dubaï, c'est les bruits de Lamborghini. Ça fait chier. Des bruits de Lamborghini à longueur de temps, c'est très très chiant. Bon, vous me direz, il y a pire comme inconvénient. Il y a aussi le décalage horaire qui est compliqué. Je l'ai oublié, mais le décalage horaire est compliqué pour la simple et bonne raison que vous, quand vous regardez les matchs de Ligue 1 à 21h le samedi ou le dimanche, bah chez moi, il est minuit. Voilà, puisqu'il y a plus 3 heures, minuit, donc je regarde le match. Je finis le match à 2h, à 2h je dois lancer un live Twitch. Donc je finis mon live Twitch à 9h du matin. Bonsoir, train de vie junkie. Train de vie junkie, oui, je suis condamné à boire de la Red Bull et de me foutre de la Red Bull en perfusion. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était votre pote Paoletta. Quelle belle cuisine qui ne servira strictement à rien parce que je suis un piètre cuistot. Maman, je t'ai promis que je vais essayer de cuisiner, donc je vais essayer de cuisiner. Voilà, c'était votre pote Paoletta. Ça va revenir fort sur YouTube également, ça y est, là je suis installé, je suis bien. Je vous avoue qu'il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers mois sur YouTube parce que je me suis beaucoup concentré sur Twitch et c'est un projet qui me tenait à cœur parce que sur Twitch j'ai découvert quelque chose que j'avais pas forcément sur YouTube, le contact avec les gens, mais également j'ai l'impression que YouTube me bride de plus en plus dans ce que j'aime faire, notamment vous proposer des contenus foot, vous l'avez compris. Mais vous inquiétez pas, je n'abandonnerai jamais ma chaîne YouTube. Il y a le projet Qatar 2022 qui va être incroyable. J'espère pouvoir vous sortir mes meilleures vidéos que je ne vous ai jamais fait. Donc restez branchés et pensez à vous abonner. C'était votre pote Paoletta. Portez-vous bien les amis.